L'engagement, c'est vraiment d'être disponible, d'adhérer à une cause puis de prendre le temps sans le compter. Et quand on décide de s'engager, c'est, on le fait à fond. C'est donner son temps, sans compter, je dirais, et donner sa parole. Donner du temps, ça ne veut pas dire avoir énormément de temps, mais il faut avoir le désir de s'impliquer et que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, par exemple, tu le fais. L'engagement, pour moi, ça veut dire s'entourer des bonnes personnes au bon moment et de compter sur elles. C'est faire partie de la vie publique. Il ne faut pas rester sur le bord de la piscine, il faut sauter. Tu choisis ta piscine, mais il faut que tu sautes dans la piscine, sinon tu n'es que spectateur. Je pense que j'ai un côté très motivateur, très dynamique et très organisé. J'aime beaucoup rassembler. Pour m'apporter vraiment une progression dans la carrière, une confiance en soi, un réseau solide sur lequel on peut compter en tout temps. Pour moi, c'est une expérience vraiment significative, puis c'est une expérience marquante pour mon cheminement. J'aime beaucoup m'impliquer dans Crew. Pour son côté, fraternité, une grande famille, j'ai toujours l'impression qu'il y a un soutien énorme autour de moi. C'est en s'impliquant que tu crées des liens, c'est en s'impliquant que tu vas en retirer le plus. Il faut que tu t'ouvres à la possibilité de faire des contacts avec les autres. C'est pas une fausse modestie que d'essayer de se mettre en valeur et de se vendre. Une personne dynamique, je veux foncer, je veux faire avancer, progresser, puis aussi toujours prête à aider, définitivement, avoir cette disponibilité-là pour les autres. Quand j'entends des initiatives possibles, je veux les mettre de l'avant ou trouver une façon de collaborer. Ce qui me motive, c'est de voir l'équipe s'emballer avec un projet, puis être l'excitation autour des résultats et tout ça, c'est vraiment très motivant. Le simple fait qu'on soit là et qu'on arrive avec nos propres idées, nos propres valeurs, c'est sûr, ça va se refléter dans ce qu'on fait, comment on le fait. Être un modèle pour la relève. Wow! Je sais pas si j'aimerais faire une différence pour quelqu'un. J'espère faire une différence dans la vie de quelqu'un. Je me sens pas si vieille que ça pour être considérée la relève, mais je m'aperçois que un petit peu de ce que j'ai dit a trouvé sa marque et a trouvé moyen d'influencer quelqu'un. Et ça, c'est valorisant, quelque part, là, de voir que tu laisses ta trace en arrière.